Bonjour et Minecraftien, ici CB35, le codeur en hard. Qui est dans... Ah! Dans... What? What? Je crois que c'était un ange pleureur qui m'a TP. C'est extrêmement rare que les anges pleureurs TP ainsi. Bon là c'est un petit peu suicidaire parce que je rappelle que je suis en hardcore. Et que c'est la nuit, mince, il m'a fait peur en plus cette censure d'ange là. Je m'arme de la pioche parce que c'est la seule arme qui permet de tuer des anges. Tu crois que tu m'arranges? Ah c'est un spectre, ça c'est pas l'ange. Priorité aux anges, toujours. Oiseux, il y a trop de trucs là. Ah, tu me fais peur toi. Ouh. Et normalement je devrais te tuer avec une pioche en fer. Ah. Ah non! Comment faire? Il s'est mis devant ma porte en plus. C'est bon, je t'ai viré de là, toi. C'est les statues quand on les regarde. Hein. Ouh, stressant tout ça. Bon, eh bien, on se retrouve par un début d'épisode 2. Va falloir que je tue celui-là. Mais je crois qu'en hard, on peut le tuer qu'avec une pioche entière. La, 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 la. Fun. Bon, du coup, on va miner, hein, parce que ça s'impose. Déjà, une épée en or pour combattre les loups-garous. Si j'en avais croisé un sur mon chemin, je serais pas là pour vous en parler. On peut le tuer qu'avec une épée en or. Original, hein. Ou aussi avec les épées des squelettes. Des squelettes ninja là qu'on peut croiser parfois, des squelettes d'argent. D'argent, pas d'Argentine. Hein. On est dans Minecraft, hein. Il n'y a pas de pays dans Minecraft. Enfin, malgré tous les modes que j'ai installés, bien évidemment. Donc on se retrouve sur Hardcode. C'est Minecraft. C'est Minecraft Hardcore avec des mods. Trouver un nom et un slogan plus original. Pour renommer la série. Parce que là, je sombre dans le plus grand ridicule de l'oubli. Smooth lighting, j'ai mis, pourtant ça n'a pas l'air très efficace. Toute ligne. Alors. Je vois pas pourquoi je me mets en sneak en permanence comme ça. Ça sert à rien, et puis ça dérègle la minimap. C'est bien un minimap. Hein. What the... J'ai pas regardé les coordonnées. Censure aide. Voilà, donc on n'est jamais parti plus loin que ça. Voilà, couche douce et la couche, on peut trouver le plus de diams. Et attendez. Option. Enable. Cave. Oui. Voilà, donc là j'ai un point de vue des caves. Des cavernes. C'est cheaté, mais c'est... Bah voilà. C'est peut-être cheaté, mais au moins c'est efficace. Ils font flipper ces gens, ces anges. Un ange qui m'a téléporté. What the... Ah d'accord, j'ai raté du fer en plus, original. Ah ouais, en fait, là ce qui m'affiche c'est ma branche de minage au petit, d'accord. Je vois ce que tu veux dire. Il y a des choses. X-ray mode. ouais, non mais c'est la triche, on va enlever ça immédiatement. Surface. Et site de menu, voilà. Comme ça nous permettra aussi de savoir si c'est le jour ou la nuit. C'est cheaté aussi. Biome, comme ça on ne saura rien. Non. Cave. This point. Voilà. Attendez.
Re, donc on se retrouve, ça fait 4 minutes de vidéo filmée, mais en final, moi, je vais m'arrêter à ce moment-là, on reprend ça 15 jours plus tard, donc vous verrez quelques incohérences, je ne garde aucun souvenir de ce que je viens de filmer, ce que vous venez de voir, que j'ai filmé il y a 15 jours. J'ai dû filmer ça en fin novembre, et puis là, c'est la nouvelle année, quoi. Oh là là. On se retrouve, donc là... J'ai décidé d'exploiter un petit peu le mode Balkan Weapon Mode, qui rajoute des tas de trucs vraiment stylés et qui sont vraiment très efficaces. Bon, je remonte parce que je sais pas du tout ce que je suis en train de faire, à vrai dire. Cette mine est juste moche par rapport à celle que je pourrais faire avec le potentiel que j'ai. Question bois. Donc cette arme qui est la hallebarde, elle est plus puissante qu'une, elle est aussi puissante qu'une épée en fer, et bien évidemment, je sais pas du tout à quoi sert ce mode-là, par contre, a beaucoup plus de portée qu'une épée en fer. D'ailleurs, c'est peut-être dans ce mode-là que ça a beaucoup plus de portée qu'une épée en fer. D'ailleurs, on va tester ça sur des éléphants, parce que le serpent, je suis pas fou, je suis en hardcore, sans blague. Oh bon. Je mets à peu près la même distance. Ouais, c'est vrai, ça a plus de portée. Ouais, ça va. Ouais, en gros, je sais pas, je comprends pas la différence entre ces deux modes-là. Vous pouvez toujours me donner des indications sur les modes en commentaire de vidéo. Ça se reçoit toujours avec grand plaisir. Voilà, normalement cet épisode se diffuse une semaine sur deux à la place du délire de CLB. Ça c'est possible. Aujourd'hui également au programme, on va commencer une nouvelle mine parce que cette mine est juste foireuse comparée à ce que je pourrais faire. Déjà, on va ranger notre stuff. Si cela ne vous dérange point. Oh là là, mais quel bordel. J'ai des trucs complètement inutiles. Dégagez, bande de... Bon voilà, le coffre est full de toute manière. Ok, donc on va essayer de faire ça. On va faire des échelles. Pas mal d'échelles. À vrai dire, j'en ai pas besoin d'énormément. Hein. Ça suffira ça à peu près. On va essayer de tout consommer quand même. Oh bah c'est bon. Vois pas du tout pourquoi je mets ça là. Oh là là, je spamme ma souris, elle aime pas ça. Voilà, donc voilà, nous voilà avec deux stacks d'échelles qu'on va placer ici. Et donc là, on va un petit peu s'amuser avec la possibilité que nous offre Timber d'avoir beaucoup de bois. Donc il ne faut jamais miner sous ses pieds, je vous rappelle, mais cette fonction de minage que j'ai découvert sur une chaîne que bon, je peux la citer, c'est une chaîne qui n'est pas extrêmement populaire, qui a 150 abonnés, mais qui m'a un petit peu rappelé qu'on pouvait utiliser ce système-là facilement, c'est la chaîne de Titeuf. Hein. Bon, ça s'écrit pas comme Titeuf le personnage, hein. Je vous donne de toute façon le lien en description. Si j'oublie, vous pouvez toujours me le redemander. Si ça vous intéresse pas, bah tant pis. Bon, alors ce qui va être lourd, c'est ce placement des échelles qui est incontrôlable. Merci Mojang. Mais mince alors! Voilà. Voilà, dans le concept, dans l'idée, c'est ça. Normalement, on va pouvoir descendre bien évidemment beaucoup plus vite. Enfin, bien évidemment, non, pas forcément bien évidemment. Mais quand j'aurai suffisamment de fer, et bon, ça ne saurait tarder. De toute manière, il suffirait que je prenne le temps de faire fondre mon métal. Et ben, on met un petit peu d'eau en bas, et puis c'est bon. Aucun problème. Ah, ce qui va être gênant, c'est ça par contre. Faudrait que je me crafte une pelle pour ce problème là. Bon, bien évidemment, je n'avais pas assez de charbon.
Parce qu'un peu de charbon, c'est trop demandé. Bon, bah, c'est pas grave. On va se débarrasser de ce truc qui est absolument horrible. Donc, je joue avec le resource pack bah, de base. Hein. D'ailleurs, à l'époque, c'était des textures pack, monsieur. Je vous apprends quelque chose, hein. Vous ne savez pas, hein. Et pourquoi je descends alors que je suis remonté pour descendre. Oh là là. C'est pourtant très clair. Hop, voilà. Ça, c'est ce que je voulais faire. Oh, merde, c'est la nuit. Voilà, le truc à ne pas faire avec, avec Mo Creatures et Weeping Angels, sortir la nuit. Sauf quand on a une maison valable. Ouh. Je me suis fait peur, hein, je dois m'avouer. Il va falloir 4 du coup pour crafter ça. Parce que je vais me crafter un petit truc qui me sera très pratique. Et encore, j'ai vu que le début de l'article hein, sur Balkan Sweep on Mode. Bon, en fait, il en faut 3. Hop. Warhammer. Les marteaux de guerre qui apparemment sont aussi très pratiques. Pour casser presque tous les blocs. Ce Warhammer, je sens qu'il va nous être extrêmement utile. D'ailleurs, pardonnez-moi que je regarde un petit peu le truc. Donc, il y a des javelots, il y a des crosses pour faire des fusils, des baïonnettes, on peut faire des arbalètes, des tas de trucs. On va beaucoup exploiter ça. Voilà, donc j'aurais dû faire une ellipse, mais c'est pas grave si je pense à le faire en montage. Ah ouais, ça va permettre pas de miner de la cobble hein, encore. On peut pas tout avoir, hein, comme on dit. Bon, à la place de quoi je vais mettre ça? Je commence à avoir des trucs utiles dans mon inventaire, j'ai pas l'habitude, vous pouvez me comprendre. Donc. Quart d'heure. Je n'aime pas mettre de timer, au début je faisais ça, notamment pour le LP Sonic Adventure qui doit être terminé au moment où je diffuse ces épisodes. Et je respecte mon emploi du temps, mais me connaissant, je vais pas le respecter. Donc par rapport au let's play que j'ai fait sur le jeu Sonic Adventure DX, qui j'avais un timer, un stupid timer que je devais censurer à chaque fois, parce qu'il faisait un bruit fou ce timer. Ah bah voilà, ça va être pratique ça. C'est à peu près l'équivalent d'à peu près tous les entités en stone à la fois, sauf la pioche bien évidemment. Et puis c'est une bonne arme de combat. Bien évidemment. Vu que ça s'appelle un Warhammer, donc littéralement marteau de guerre, un petit peu ce qu'il a, Thor, mais vous voyez, si, si, vous savez. Niveau F3, je suis en couche 34, comme vous voyez, c'est beaucoup plus rapide et parfaitement safe, parce que je ne tombe pas dans le bloc. Là, je ne tombe pas dans le bloc non plus. Et hop. Mais quel noobie! Faut que je m'habitue au mode quoi. Je peux très bien voir 30, 30, 29, 28. Et quand je vais remonter 26. Oui, oh, puis autant miner la pioche en pierre pour conserver le métal. Donc j'ai quelques modes entre guillemets cheatés. Je l'admets. Et je me dis que, ouais, du charbon, ça c'est la ressource dont je manquais. Je peux me faire des Warhammer tout bazar, mais je n'ai pas de charbon. Ok, on en reprendra un peu plus tard. Mais quel noobie! On va servir de ce matériau tellement inutile qu'est la dirt. Voilà. Et on va continuer notre minage dans les dernières couches du jeu. 16, 15, 14, 13, 12, 12. Ah ah, je vous ai trollé. Ah ah, je vous ai trollé. On n'ira pas jusqu'à 0, bien évidemment. Parce que ça ne sert à rien. Alors, donc là, je pense tellement loin que je vois même plus mon échelle, c'est n'importe quoi.
Donc je dispose de mods effroyablement complets tels que Balkan's Weapon et Immo Creature. Ces mods sont presque trop complets en fait. J'avais pas prévu ça. Réaction en chaîne qui va démolir la source d'eau. Eh mince! Pas prendre le risque de mourir de dégâts de chute en hardcore, bien évidemment. Bon, bah voilà, ce sont des choses qui arrivent. Bon, bien évidemment, on prend l'échelle pour remonter. Voilà, donc je vais me préparer un petit peu du stuff. Hardcode, c'est la survie. La survie en hardcore. Oh là là, j'ai l'impression de m'éloigner de la base là, à force de spammer F5. Ma touche sneak, c'est aussi ma touche pour régler la minimap. YOLO! La minimap est folle! Bien évidemment, dehors, qu'est-ce qu'il y a? La nuit. Alors, on va prendre ça. Parfait, on a du charbon, on a des trucs. Ah, c'est pas vrai, j'ai trop l'habitude de la 1.5. Et plus! Apparemment, la majorité des mods seraient compatibles, mais bon... Bon, je vais remonter, je vais faire un test, même si ça sert en soi absolument à rien. Sans blague. Alors, où est-ce qu'on en est dans la vidéo? Je regarde ça. Oui, je fais une mine au petit. La la la. Je fais une mine au petit. Eh ben, on n'a pas longtemps à creuser. Hein. Il y a de la redstone. Et des mobs, sans doute. Quoique non, il y a rien en fait. Il y a juste un petit peu de minerai de la bedrock. Eh ben, on se gêne rien. On se gêne pas, hein. De la redstone au niveau de la bedrock. En plus, je sniff de la redstone, ça va. Ah bah ça me fait un escalier, c'est trop génial. Le cheval c'est pourri. Enfin je dis ça, je dis rien. Il y en a qui aiment ça, moi j'aime pas trop ça. Chacun ses goûts, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. On a du bois, hein. Et des échelles qui se placent vraiment n'importe comment. Et ben mine opti dans tout ça. Oh bah oui, c'est pratique. Bon, quand on aura le luxe, et ben on pourra faire des trappes. Ah bah ça glitch maintenant, avant ça passait. Mais mince. Voilà, bon, en sprintant, en sautant. Bref, de toute manière, ce n'est pas extrêmement grave. Le redstone de partout. Trop mignon. Bon, je sais pas si vous avez remarqué, mais je n'ai remarqué aucun mob. Allez, on remonte. Avouez que cette mine, elle est safe, parce que on tombe jamais dans le vide. Et aussi, elle est juste géniale, quoi. C'est beaucoup mieux que ce qu'on prévoit, ce que tout Minecraftien qui se respecte prévoit à la base. Et puis vu qu'on a Timber, là on peut se le permettre. On peut se le permettre. C'est jour, normalement il n'y a plus aucun mob. Plus aucun mob, ou presque. Plus aucun mob. De toute façon je m'en fiche. Je vais aller couper du bois. Avec cette axe dont je ne sais pas. Je ne sais pas du tout d'où elle vient. Quoi? Bon bah GG. Avec une hache. Ouh, il m'a fait peur ce papillon. Oh, mon créatures. What? Oh là, j'aime pas me promener en hardcore comme ça dans la forêt ténébreuse. Et pleine de microbes de l'oubli.
Calme-toi, CLB, tu n'as rien vu, c'était juste un papillon, ça va pas traumatiser. Tu ne sais pas, un papillon, ça peut être Père ange. Souris de... J'ai plus l'habitude de jouer avec nos créatures. On a peur de tout. Stupide criquet. Je crois que je vais rentrer à la maison en vitesse. Je hais ce mode. En plus, c'est nouveau. What? Bon bah Timber a décidé de pas marcher. Comme il veut. Moi je vais juste m'éloigner. Parce que ce truc, je sais que c'est un mob passif, mais. C'est un mouton! C'est un mouton! C'est un moutmout! Je savais pas qu'il y avait des moutons par ici. Bonjour. Mouton, est-ce que je tue sauvagement ou est-ce que je laisse tranquille? Pimp, je laisse tranquille. Les dauphins là-bas, est-ce que je vais leur chercher des noises? Peut-être que non, parce qu'on sait pas, ça pourrait aussi bien être des requins. Il y en a aussi dans le mode. Bon. Bon bah voilà, on aura fait des petits trucs, on aura complètement changé la config de la mine. Sur ce, je vais vous laisser là-dessus. C'est la fin de cet épisode. Donc, je vous dis, n'hésitez pas à subscribe, etc. Mais bon, voilà, vous connaissez la chanson. L'intro, elle dure trop longtemps pour être récitée à chaque vidéo. L'outro, je veux dire. Hein, l'intro, c'est ce qu'il y a au début. Réfléchis un peu, CLB. Donc, voilà. Maintenant, je vous dis au revoir. Donc, sur ce, au revoir. C'était CLB. Mince, mon outro a encore foiré. Oh là là, faudrait que je l'écrive quelque part, c'est tout trop. Bref, portez-vous bien et au revoir. Et bonne année au moment où je filme la vidéo, même si ça va être posté beaucoup plus tard. Bref, au revoir. Je vais m'énerver si ça continue.